Hey, bien, salut tout le monde, c'est Ditoc, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de la Overpowered pour une toute nouvelle vidéo de performance. Donc aujourd'hui on se retrouve en compagnie de OP Clem, il est sur la map Infection et il nous a tout simplement décidé de nous réaliser une triple nucléaire avec sa Razorback. Donc tout simplement aujourd'hui les gars je vais aborder un sujet que je n'ai pas encore vu sur YouTube, donc on va parler de la différence de graphisme sur Call of Duty Black Ops 3. Donc dans cette vidéo je vais tout simplement énumer Black Ops 3 sur Next Gen, Old Gen et bien sûr sur la version PC. Donc tout simplement aujourd'hui si je décide de faire cette vidéo, c'est parce que je viens de comprendre une arnaque de la part de Treyarch. Donc je vais vous expliquer tout ça après c'est mon point de vue. Je tiens à ce que vous me le dites en commentaire si je me trompe, mais à ce que j'ai vu, pour moi franchement je ne me trompe pas. Donc tout simplement on va commencer par Old Gen. Donc Old Gen franchement il n'y a pas beaucoup à en dire, parce que tout simplement sur Old Gen, comme on le sait, c'est pas Treyarch qui a géré ce Call of Duty Black Ops 3, mais tout simplement un autre studio. Et il faut avouer que les graphismes sur Old Gen sont vraiment dégueulasses. J'ai vu même le DLC Awakening qui est sorti il y a pas si longtemps que ça sur PS3 et Xbox 360 est vraiment dégueulasse. Limite la seule map qui passe encore pour moi c'est Splash, mais quand on voit quand même la qualité de Splash sur PS4, c'est sûr que ça donne pas très envie de jouer sur PS3 en fait, quand on a une console next gen ou un PC gamer. Donc tout simplement si j'ai décidé de faire ce sujet, c'est tout simplement parce que j'ai décidé il y a très peu de temps, même il y a moins d'une semaine, de passer sur PC. Donc tout simplement j'ai acheté Black Ops 3 sur PC et je l'ai aussi sur PS4, et je me suis rendu compte en lançant le jeu qu'en fait Treyarch nous mettait une grosse encule au niveau des graphismes, parce que comme vous le savez certainement, sur PS4 le jeu est déjà magnifique et tourne déjà en 60 fps, mais sur PC il est exactement pareil, faut le dire comme ça. Je sais pas comment expliquer ça en fait. Je me suis dit que ça allait être comme les anciens Call of Duty. Avant, je me rappelle de l'époque de Modern Warfare 2 quand je jouais sur PC avant de passer sur console. Ben, les graphismes de Modern Warfare 2 étaient vachement meilleurs sur PC. Parce que voilà, notre carte graphique déterminait la qualité graphique du jeu. Et ici, je me suis rendu compte, donc moi, il faut savoir que j'ai une MSI 960 GTX 4G Gaming. Donc c'est une grosse carte gaming quand même. Donc c'est une carte, je crois que celle au-dessus, c'est la 970. Et la 970 est la plus grosse. Après, on monte en giga de RAM, mais ça sert à rien. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de carte graphique. Mais tout simplement, je me rappelle qu'à l'époque de Modern Warfare 2, donc j'avais quoi à ce moment-là? J'avais peut-être une 550, je ne sais plus vous dire exactement ma config. Mais j'avais quand même une bonne carte graphique pour l'époque. Et je me rappelle que sur PS3, parce qu'il n'y avait pas encore la PS4 pour bien faire, je me rappelle que sur PS3, les graphismes étaient vachement plus dégueulasses que sur PC. Dire que maintenant, quand on a une PS4 et un PC, les graphismes, c'est exactement pareil. Et je me rappelle qu'avant, on avait plus d'options pour changer les graphismes. Genre, on avait comme un système de normal, faible, ultra, élevé. Dire que maintenant, on n'a plus que normal, faible et élevé. Et franchement, élevé, c'est la qualité sur PS4. Normal, c'est aussi la qualité comme sur PS4. Et c'est à ça que je comprends pas trop l'encule de Treyarch. Donc, je m'excuse pour les mots encule, mais voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire, je pense. Que vous devez vous en douter. Après vous ne devez pas être choqué pour un mot pareil, je suppose, surtout maintenant en 2016. Je sais quand même qu'il y a beaucoup de gens qui disent de plus en plus de grossièreté dans les vidéos et ça choque pas. Donc tout simplement, excusez-moi, je tiens à dire que si vous avez PS4, si vous avez Call of Duty Black Ops 3 sur PS4, soyez ravis de la qualité. Dites pas ouais j'ai envie de passer sur PC, la qualité est meilleure. C'est vraiment pas vrai. La qualité PS4 et PC est vraiment la même. Limite
ça m'a dégoûté quand j'ai su ça, dire que je savais moi qu'à l'époque de Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3 et de Black Ops aussi, la qualité graphique sur PC était vachement meilleure, il n'y avait rien à dire. Mais maintenant on voit vraiment que les nouvelles consoles, ils ont voulu les privilégier au PC, surtout que il faut savoir que c'est pas n'importe quoi la PS4 maintenant, vu que ça a quand même eu la chance d'avoir le partenariat avec Activision pour les exclus du genre du DLC. Je pense au DLC qui sort le 19 avril. Donc je pense vraiment que la qualité sur PS4 et PC est la même. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voyez une différence. Mais moi, je n'en vois pas. Donc, je pense que si vous voulez faire de la performance comme ce qu'on vous propose sur la OPFR, restez sur PS4 parce que déjà, le PC, c'est super chaud à jouer. Mais après, quand vous savez jouer au PC, c'est vrai que vous savez jouer avec n'importe quoi. C'est comme si tu donnais à un DJ des platines vinyles et qu'après, tu le passais sur des platines numériques. Donc, je prends cet exemple. C'est parce que mon père arrête pas de me le répéter. Donc, tout simplement, si t'as des vinyles, après, tu sais mixer avec tout. C'est comme si t'as un clavier. Après, tu sais jouer avec n'importe quelle manette. Parce qu'il faut savoir qu'avec la sensibilité de la souris, il faut vraiment être précis, donc ça vous donne un doigté de malade, je vais dire ça comme ça. Donc tout simplement, si vous avez un clavier et une souris, essayez d'acheter un émulateur pour vos consoles et de mettre le clavier et la souris. Vous allez voir, si vous vous entraînez bien, vous allez faire des gros massacres. D'ailleurs, c'est bien prouvé, il y a beaucoup de joueurs perf qui jouent au clavier souris parce que justement c'est meilleur. Donc voilà, je vais pas m'avancer plus sur ce sujet. J'espère que ce sujet vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. J'espère que le gameplay de Clément, je sais même pas s'il s'appelle Clément en fait, vous aura plu. En tout cas, s'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne de la Overpowered et à aller faire un tour sur nos chaînes qui seront bien sûr dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la OPFR. C'était Detox, portez-vous bien, jusqu'à la prochaine fois. Allez, ciao, bye tout le monde. We should die tonight, we should all die together, raise a glass of wine.